Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous, les gens. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Manga Manga no Mi. C'est la dernière de 2019, hein, parce que après moult décalages, parce que plein d'imprévus, tout ça. Ça aurait été compliqué de trouver enfin une date pour réunir un peu les chroniqueurs qui voulaient passer et tout dans l'émission de ce soir. Où on va parler des méchants dans les mangas. Des gros bisous, bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat. Et donc, ce sera la dernière de l'année. Il y avait normalement un huitième épisode qui était prévu pour 2019, où on parlerait des trucs qui nous avaient marqué dans l'année 2019. On va essayer de le caler dans celui-là, parce qu'il n'y aura clairement pas le time d'en faire, je pense, un huitième épisode. Donc, ce sera pour 2020. Mais donc, pour cette dernière de l'année, hein, pas la dernière de la saison, il y a toute la famille de Chronicle qui est là, plus un petit nouveau qui va parler avec nous. Alors, attention, je vais me désournétiser. Ah, incroyable. Quoi ? Je me suis désournétisé. C'est les bruits bizarres dans les... C'est les bruits bizarres là dans les shonen quand ils se font battre là, tu sais. Je suis donc avec. Ouais, c'est Nezuko quoi. Ouais. Oh le bâtard. Bon. Je suis donc avec Nao, Gigi, Draco oui. Et Flamby qui est là pour la première fois dans l'émission. Hein. C'est la première de Monsieur Flamby. Ah, bravo. Ouais, c'est la première en vrai. Bravo, Flamby. Bravo à toi. Ouais. Putain, mais. C'était quoi ce. Ouais, les gars, ouais. Je suis là. Ouais. Une joie. Bah, j'ai un peu un début de cancer du poumon, donc c'est un peu compliqué. La malaria, oui. Oui. Putain. Bah, c'est un peu ça, hein, ce qu'il a. Moi, j'y peux rien, hein. C'est comme ça. Hein. Et oui, l'incroyable Flamby qui est ici. Alors, attends. J'espère qu'on. On va se calmer, mais. J'espère qu'on t'entend bien. Je vais augmenter un peu ton son, mais normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc voilà, il y a toute l'équipe pour cette dernière où nous allons parler des méchants dans les mangas. Est-ce que on peut faire. Il y a plein de choses à faire, on va parler de plein de trucs ce soir, mais est-ce qu'il y a le temps de faire un petit débrief, Monsieur Gigi et Monsieur Draco, sur l'événement Konami, Yu-Gi-Oh, les 15 ans, tout ça. Ah, ça tombe bien parce qu'en plus j'avais pensé à, je m'étais dit mince avec Gigi, on a pas encore fait le débrief parce que bah on a pas trop eu le temps le dimanche après. Bah après je te cache pas que va falloir que ça soit un peu succinct parce qu'on va rester 2 heures en live mais un petit retour tu vois des petites anecdotes. Le débrief sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que j'ai été acclamé moult fois, arrêtez. Hein. mais il a chopé le melon. Du séjour quoi, c'était incroyable. J'allais dire, je ne vous raconte que. Non, il est juste. Bah, il a fait les logos et tout, hein, donc c'est vrai que la gérance quoi. Ah, enfin un peu, merci. Non, mais c'était. C'était très sympathique, mieux que je l'aurais cru personnellement. Non, mais en même temps, Gigi, t'es pessimiste de base, donc tu stressais toi. Non, mais, ouais. Moi, comme Vincent, ça va aller. Comme Vincent l'a dit, ce week-end était juste pas reposant, mais sinon, on était très bien ça, ensemble. Ça c'est et sûr. Bonjour le chat, bonjour, bonsoir. La fin de KO. Il y a eu moult rencontres, moult activités. Oui. Parler plusieurs fois avec Laurent Sao, bon voilà. Ah c'est vrai ça. Et sinon, sinon voilà, c'était très cool pour ma part. Et toi Draco, ça a été absolument personne de. Parce que je crois que vous en avez parlé à un moment donné en privé, qu'il y avait des doubleurs, c'est ça? Dans le... Laurent Sao, il n'y avait, oui. avait que Laurent Sao, il n'y avait que Laurent Sao. Il n'y avait que ça. Ah, que ça. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. SAO c'est le doubleur de qui? Parce que je connais pas. Mais c'est Yugi. Putain. Ah. Oh là là, mais le mec débarque quoi. Ah. Bah écoute, moi j'en sais rien, moi. C'est pour ça que je demande. Il y a de très fortes chances, mon bon Jadir, que l'an prochain, il y ait Yugi, Kaiba et Joey. Oh la vache. Ah, parce qu'ils vont refaire un live l'année prochaine. Ah oui, bah, c'est un rendez-vous annuel, évidemment. Ah, je savais pas, moi je croyais que c'était que pour... C'est la première fois, donc évidemment... Ce serait bien que ce soit reconduit, quoi, ça permettrait... Bah, j'avais un peu peur, parce que... Enfin, j'ai pas tout regardé, mais ouais, voilà, moi, me disait, ouais, c'est mal organisé et tout. Et tu sais, au début, il y avait une activité où, en gros, il y avait des...
Il y avait qu'un micro en fait, on n'entendait personne, et du coup je me suis dit, oh là là, ça commence un peu bizarrement. Niveau technique, c'était pas GG, mais niveau regard, franchement, ça va. C'était juste pour la nôtre, où c'était. Après, faut remettre dans le contexte notre émission avec Vincent et l'émission qui demandait le plus de comment dire, d'espèces de technique et de résistance oui. de la régie, quoi, clairement. Oui, voilà. Ouais, ouais, bah oui. Parce que toutes les autres, c'était juste tu filmes et basta, ouais, tu ouais. vois. Ouais, voilà, c'est ça, de la régie, elle avait rien à foutre, elle mettait les trucs et puis basta. Voilà. C'est vrai, c'est donc vrai. Aussi on a un... et le mec faut savoir que le mec était tout seul dans la régie ouais. Pendant 12 heures, pendant 12 heures hein, le mec était seul oh la vache. Et c'était pas son métier de base donc ah ouais. sportif de ouf peur de rien ça peut se comprendre comment il a tenu honnêtement bah ouais mais c'est chaud putain il y avait personne qui pouvait le backup est-ce qu'il y a des VOD quelque part il y a moyen de voir les émissions et tout oui il y a je peux t'envoyer ça. Non mais que juste que t'en parles pour que les gens ils savent où trouver si jamais ils veulent. Joris l'avait mis sur mon Discord. Attends, je vais te l'envoyer et au pire tu la mets dans le live. Bah non mais juste pour informer tu vois pour même ceux qui vont être en VOD tu vois qu'ils sachent où c'est juste ça je veux pas donner le lien. Oui c'est... bah c'est alors il y a la rediff sur probablement sur Twitch et Joris enfin Yuli Sama l'a mis sur un lien méga. Donc où vous l'appelez, enfin où vous le contactez, d'accord. Où voilà le lien et au pire. Ouais non, t'as pas de lien officiel. Genre il y a pas littéralement le. Il ah, y a le non il y a enfin il y a pas de Twitch. YouTube par exemple mais il y a Twitch ou Mega. C'est énorme ce qui se passe. C'est un peu malheureux. C'est quoi le nom de la chaîne Twitch parce que j'imagine que pas tout le monde. Konami Freux. Voilà, vous voulez regarder. Vous voulez regarder la rediff, faut aller sur Konami Freux. C'est énorme. Voilà. c'est là où il y a tous les petits bails. Ok, donc en gros, bon, ça s'est plutôt bien passé, c'était bien fun, Yu-Gi-Oh, tout ça. J'ai absolument rien vu du stream, mais. Non, mais toi, t'es. Je vais même pas ce que j'ai fait la même. Ah bah voilà non mais je vais regarder autant j'ai dire mais j'ai quand même qu'à moitié non mais Baptiste je vais être honnête avec toi Gigi je suis très quand déçu. Même allé voir quand t'étais sur le live pendant quelques minutes très moi, déçu tu sais qui l'autre l'a fait Jabir la famille à Flav et ça fait plaisir Gigi j'étais dégoûté parce que je me lève à 11h je dis ah bon il y a le temps avant ton émission. Je pose mon téléphone et je ferme les yeux pour. Oh là là. Je me réveille. Il est 14h. C'est ce que j'allais dire. Il se réveille 4h plus tard. C'est un mytho. Il est juste parti chier. Mais non. C'est vrai. J'ai tout raté. C'est vrai que Pokéia a gagné un lot sur le live. Ça m'a fait très marrer ça. Oui. J'ai un notice. Un mec de. on était tellement la street de la Denden. Elle était tellement là dans le chat. C'était tellement drôle. Ouais, bon. Moi, en plus, je l'avais dit à quelqu'un, il y avait quelqu'un à côté de moi et je lui avais dit putain, c'est un mec de ma commu et tout, il est là. Putain, ah, c'est fou. C'est fou. Bon, allez, c'était cool, mais on va quand même passer à la rubrique suivante. On va faire un petit jeu bon qui est un petit peu. On n'aura pas droit à la bouille de Mogato pour demander. Non, alors oui, effectivement, Joy-Kun. J'ai un peu repensé, alors il y a moyen que le layout soit encore remodelé et tout, mais en fait, comme c'est une émission très podcast et où je suis, au final je discute avec des gens qui sont pas avec moi IRL, tu vois, ça me faisait chier en fait de mettre ma tête, tout simplement, on s'en fout. Bah non, mais c'est vrai qu'on s'en fout, genre si je suis tout seul. En vérité, je trouve pas ça. Bah ouais, non, mais c'est discussion et tout, donc c'est. Enfin, tu vois, c'est rien que. Parce que, en général, de toute façon, personne va regarder l'écran. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste vous mettez ça en fond, petite radio. Ouais, voilà, c'est l'émission, ça s'écoute. Oui, voilà, c'est ça s'écoute. Ça se discute. Non, du coup, on va faire le petit jeu. Bon, en fait, je vais vous présenter un personnage. Enfin, je vais essayer de m'exprimer comme si j'étais un personnage. Et ça va être au premier qui va reconnaître en premier qui je suis. Je vais essayer de prendre. À chaque fois, j'essaie de prendre un truc pas trop compliqué. N'hésitez pas à jouer dans le chat aussi si jamais vous avez envie de participer. Alors. Je suis. Pas très à l'aise avec mon physique, je dois bien vous l'avouer. J'ai un frère, je sais pas pourquoi, il est dans un délire de cosplay en ce moment, enfin depuis très longtemps en fait, depuis que je suis assez petit, il se cosplay, tu vois, il veut pas sortir de son cosplay. On connaît tous, on est d'accord, en théorie. En théorie, oui. Ah.
Souvent, de loin, tu vois, à cause de mon physique, on peut me confondre avec une meuf. Parce que voilà, j'ai des cheveux un peu lisses, un peu longs, je suis un peu blond et tout. Et du coup, souvent, on peut me confondre avec une fille. Et c'est très marrant parce que mon physique, c'est complètement l'opposé de mon frère, tu vois. Genre, à chaque fois, on me dit, ouais, et tout, c'est toi le grand frère. Alors que non, c'est moi le grand frère, quoi, tu vois. Mon frère, c'est... Alphonse. Patrick. Putain, ben... je me trompe. Oh, hey. Bah, en vérité, c'était une bonne idée, Alphonse. Hein. Bah non, mais oui, mais tu... Bah non, du coup, c'est Ed. Bah oui, voilà, c'était Ed. Oui. Je suis Ed. La Baptiste. Voilà. Non, bon. Non, mais je sais pas, parce que techniquement, tu sais, les deux ont ce même problème. Bah non, il a dit de cosplay. Ah oui, bah oui. Oui. Ah, mais il a pas les cheveux longs. Enfin, si, il a des cheveux longs. Mais genre, sans réellement noter, genre, le truc de cosplay, tu vois, genre, t'as... Alphonse est aussi genre dans le truc du ouais, mais je suis pas trop confiant avec mon physique parce que j'ai littéralement pas ouais, de physique. Mais... oui, là, ouais, bon, c'est vrai que les cheveux aussi, bah, il a les cheveux longs, mais parce qu'il est mort dans la porte de la vérité là, mais bon. Oui, voilà, mais tu vois, genre, enfin, ça. Bah, ça je suis bien ça se mais du coup, oui, le coup du cosplay. Mais franchement, cosplay, ça, moi, ça me dégoûte en fait, c'est tout simplement ça. Ça dégoûte. Attends, du coup je vais essayer d'en faire un autre parce que là putain ça c'est un peu foiré quoi, genre il a eu le point mais sans non, mais avoir... j'arrive, je foire tout, bon. Bah non mais... Non, monsieur Baptiste. Tu as eu l'idée mais... J'ai pas du tout pensé en plus moi du coup. Ah mais j'ai mis du temps en plus. Ouais mais c'était vague mais intelligent comment ça. Ah, non c'était bien. Alors attends, j'essaie de me souvenir qui je suis, c'est pas facile hein. Qui je suis là putain. Et ben, ça m'arrive... Bien le bonsoir Boukake 37. Oh, Boukake le fameux, le grand. Ça j'apprécie, tu vois. Ah, ça enfin, c'est la qualité. Ça c'est la vraie star du stream. Ah, les personne ne le respecte. Calmez-vous aussi. Boukake le matin. Alors, qui c'est que... Ok. Ok. Alors. Putain, c'est dur en fait. Sans le. Putain! Mais le mec prépare pas ses émissions! Mais si, mais je pensais pas que ça, le premier il le trouverait si vite, tu vois. Genre, du coup. Du coup, compliqué. Ouais, d'habitude, on met 20 ans pour trouver le premier. Du coup. Putain, merde! Mais non, mais attends, ça va me venir. Ça va me venir, faut que je trouve. Enfin, j'adore les emojis de Boukake. Putain, mais je vais aller voir. Bon, je repars. Bon, ok, j'en ai un. Je suis en quelque sorte. J'en ai rien à foutre en fait. Je suis. J'ai trouvé un job dans. J'ai trouvé un job dans un lycée, mais en mode. En mode, fallait bien que je trouve un truc, quoi. Moi, à la base, avec mon poteau, mon frère, hein, limite mon frère, hein, on se bastonnait absolument partout. Et puis lui, il a choisi d'être dans le droit chemin, mais moi, j'ai préféré être prof, mais bon. C'est surtout les minettes qui m'intéressent, plus que les études en tant que telles. Et moi, j'ai envie d'apprendre la vie, tu vois, aux gens. Oui, ouais, bravo. Je sais pas qui l'a dit en premier. Ouais, c'est bon. Non, j'ai dit GTO, mais il a dit oui. Ouais, j'ai. Du coup, GTO. C'est GTO. Ouais, bah, c'est le GTO. Oui. C'est le Grec. C'est deux points pour les gens français. Et après, je me suis dit. Parce que tu vois, genre, t'aurais pu piéger en vrai. Parce que, genre, vraiment, au tout début, ça donne direct la mèche que c'est au oui. Est-ce que y en a. J'ai pas vu Onizuka, donc je me suis dit ça a l'air d'y ressembler, tu vois, mais j'ai un peu biffé. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont lu Young GTO? Parce que moi j'ai commencé par ça. Le mec il a juste commencé par les prémices. Ouais, et ouais mon gars. J'ai lu GTO. Mais qui commence en... Moi j'avais commencé par les prémices mon gars, c'est tellement violent Young GTO, en vrai c'est drôle mais assez bien. Photos d'ad. Quoi? Allez bon. La suite là, très vite. Bon. Ouais, bon, allez. Pff.
comment dire, bon, ok. Moi, je dois bien vous avouer que j'ai pas de très bonne relation avec mes sœurs. Vraiment, j'ai l'impression de... Cendrillon. Quoi? J'ai l'impression... Non, mais j'ai l'impression de faire tâche. Je me sens pas à ma place, donc du coup, j'ai envie de partir un peu... Bah, j'ai envie de me perfectionner, d'être comme elle, mais à ma façon. Et... ouais, ça devient un truc en plus, putain. Et alors, le truc, c'est que... bon, moi, j'adore la nature, hein, tout ça. Moi, les animaux... les animaux... Notamment les animaux à nageoires, tu vois. Moi, j'adore ça. C'est ouais. Yes. Le chat avait trouvé assez. J'attendais cool que tu dises aquatique. Et je genre, savais, quoi. Au tout début, j'ai fait... Attends, des sœurs, elle veut se casser. Ouais, non. Oui, moi, moi j'étais là en mode putain, qui a des sœurs, je le sais, quoi, tu vois. Qui a des sœurs? J'ai fait. Moi, au départ, non, je me suis qui a des sœurs. J'ai fait. Genre, je me dis, tu vas trouver un piège où tu vas me faire une espèce de ristourne où je vais me prendre. Ouais, non, en fait, c'est. J'ai failli lancer le jeu déteste les insectes, mais là, je me suis dit, bon, ça, ils vont trouver assez facilement, quoi. Fallait le dire après. Ouais, ouais, bah oui, oui. J'étais perdu. Il était du père, quoi. Il était un peu... J'ai regardé mon poster où il y avait Aurore, je me suis dit, c'est pas elle. Et du coup, ils m'ont dit. Non, c'est et pas... Et j'aurais crié. Avant même qu'ils disent quoi que ce soit, j'aurais crié. Non, toi, tu connais pas Aurore, donc ça me dégoûte. Ça te dégoûte. Ah oui, c'est vrai, l'animé, viens, oui. Viens, on va se battre. Il connaît même pas la vraie Aurore. S'il vous plaît, battez-vous. Je vous en supplie, battez-vous. Putain, mais... S'il vous plaît, moi, j'ai... C'est déjà plus simple, moi, j'ai pas de retard. C'est quoi, l'animé, devenir. Bon, allez, on en fait un dernier, parce que là, je crois que je me souviens un peu. Mecs. Mec frame 1, Aurore. Très bien. Oui, on allez, veut Vincent, du sang. C'est ton moment, ici. Le chat veut du sang. Ouais. Ouais. Oh. C'est Vincent qui va la voir. Moi, je mise tout sur lui. Alors, attends. Bah, attends, c'est chaud, parce que faut que je trouve... À chaque fois, faut que je trouve un truc que vous connaissez un peu tous. Bah ouais, mais en vrai, y a pas mais tant. Si, on a plein de points communs. Oui. Non, mais. Je sais pas, vous comprenez, c'est pas compliqué. Putain, j'ai un trou. Qui suis-je, Gamelin? Qui suis-je? Bah, je me le demande encore. Un perso qui a un trou? Quoi? Non, alors. J'ai pas dit ça. Obito! Juste un trou. Bon! Yes! Bon! C'est vrai que ça le fait. C'est hein. Vrai qu'il finit avec un trou, ce con. Le pauvre, putain. Allez, moquer très très vite. Ouais, ça y est, j'en ai un. Enfin, je sais qui je suis. Va pas nous le dire, j'allais dire, enfin. Bah si, allez, là. Complètement. Moi, je suis vraiment quelqu'un... De particulièrement violent. Mais en fait, je suis violent, mais c'est pas ma faute. Parce que... Je... Ça veut dire que t'es possédé ? Bah, je suis... Non, c'est pas que je suis possédé, mais il y a trop de choses en moi, tu vois. Il y a trop de choses que j'ai envie d'exprimer. Et du coup, bah, je suis violent malgré moi. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je suis tellement violent qu'on m'a attribué... une équipe et du coup comme je leur ai un peu attribué mon amour de la haine et tout, enfin de la violence et tout, bah on est un petit peu devenu une équipe réputée pour notre esprit un peu rebelle, quoi.
Bon, alors, je suis peut-être assez. Je fais peur et tout comme ça, mais je dois bien vous avouer que heureusement qu'il y a ma petite pote qui m'accompagne un peu partout où je vais, qui m'aide à me canaliser, et puis qui du coup me fait me paraître un peu plus sympa aux yeux des autres. Elle est toute gentille. Oui, bravo. Bravo. Oh, allez, putain, pas mal. Bravo. Franchement, Vincent. Franchement, Vincent, pas mal. Quand t'as dit la petite, j'ai tout de suite pensé aux clochettes avec la. Ouais. Bravo. Bravo, Vincent. Vincent, l'oracle. Bien joué. Fou, moi j'étais parti sur Pain. En plus, il y avait la Kenpachi. Je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est peut-être Conan. Kenpachi de Bleach, les potes. Capitaine de la 11ème. Non, pas la 11ème. 6 Non, je crois que c'est la 11ème. C'est la 11ème, oui. Ouais, je crois que c'est la 11ème. Oui, je crois. C'est ceux qui font que armes physiques, quoi. Ouais, c'est ça. Kenpachi, c'est tellement le meilleur. Kenpachi, c'est juste un barbare. Il y a ça, un Bankai après. Si, je crois, oui. Alors que son personnage était censé juste être un barbare. Mais d'ailleurs, c'est choquant parce que tu apprends dans, enfin, du coup, post-anime que la merde, comment elle s'appelle, la Unohana, je crois. Enfin, la capitaine qui soigne là, je crois que c'était une Kenpachi. Oui, c'est Unohana. Et ça m'avait choqué, quoi. En termes mode, oui, j'ai pas vu. Une Kenpachi. Mais je crois, hein. Il me semble, de souvenirs que j'ai. Bon, après, voilà. Bon, je pense post-anime, j'ai pas regardé, enfin, j'ai pas lu plutôt. Eh bah, je t'ai spoilé, voilà, moi, t'es gentil. T'es pour moi, Bleach aurait dû s'arrêter avec Aizen à la limite. Oui, bon, on est tous d'accord. Écoute, ne commence pas à mettre les charrues avant les bœufs, s'il te plaît. On parlait de méchants. Eh bah, oui. Mais avant, on va parler un petit peu, on va un peu parler actualité, puisque je crois que c'est dans la même semaine ont été annoncés Dr. Stone saison 2 et The Promised Neverland saison 2. Et Shokugeki saison 5. Ah, déjà. Elle est, elle est pas en cours déjà, la 4. Oui, elle la 4 est en cours, mais ils ont annoncé la 5. Ah. Bah putain. C'est beau. Rapide, c'est con. Non, moi je trouve que c'est beau. Et moi du coup, j'avais une question par rapport aux animes saisonniers. Est-ce que vous préférez genre attendre semaine par semaine ou tout vous enchaîner d'un coup un peu à la Netflix, à Netflix mode? Moi je suis trop habitué aux semaines par semaine. Donc... Tu vois, en vérité, pour moi, ça dépend de genre ma situation. Dans ce que je fais, si je suis occupé ou la pas. Situation. Si je suis pas occupé, tu vois, j'ai envie de juste m'enchaîner comme un espèce de taré parce que j'ai que ça à faire, tu vois. Oui. Mais si j'ai autre chose à foutre, je préfère que ce soit semaine par semaine, comme ça moi j'ai le temps de tout rattraper parce que sinon je peux jamais rien regarder. Du coup, ça dépend vraiment de si t'as le temps ou pas au final en vrai. Moi je suis tellement habitué aux semaines par semaine que même quand j'ai un animé qui est déjà plein, entre guillemets, enfin qui est complet, et que je dois mater, j'ai du mal à le faire de par moi-même, tellement je suis habitué aux semaines par semaine. Donc, Ça, je peux comprendre. Genre, t'es tellement habitué au format que si tu te dis... En plus, en général, quand tu te mets à regarder un anime, toi, t'as vraiment du mal à l'avancer bien, comparé à ceux qui sont justement en cours. Moi je dirais que ça dépend des histoires aussi. Que, en vérité, One Piece, tu t'en es bien sorti. Hein, parce que tu faisais bien des bons... Bah, ça dépend des arcs, quoi. Ouais, globalement. Ce ouais, que je trouve normal au final, tu vois. Plus ou moins, quoi. Oui, voilà. Mm-hmm. Du coup, ouais, je peux comprendre un peu ta. Et bah, Flamby, je crois, il mate plus trop d'anime. Enfin, de. Ah, bah, c'est terrible. moi, il y a plus presque plus rien en anime, en fait. Moi, je regarde plus rien. Si, je regarde Pokémon en ce moment. Ah oui, c'est vrai. La première saison. Hein. C'est vrai que c'est sur Netflix. Bah oui, c'est bien pour ça que je regarde. La VF aussi. Ah, et Zodiac qui nous explique qu'il est en train de lire Demon Slayer, tome 3. C'est vrai que le début fait un peu mal au niveau des dessins de ce que je me souviens. Et toi, Vincent, tu es plutôt quand tu mates un animé. Comment t'y prends-tu? Bah, vu que je suis pas du genre à regarder beaucoup d'animés, ça me dérange pas souvent d'attendre une semaine. Ouais, en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'animes ou comment dire. Alors, en fait, ça dépend, parce que par exemple, à l'époque où je suivais One Piece avant de lire les scans, c'est vrai que regarder un épisode à chaque fois c'était sympa parce que du coup, comme ça, moi, ça faisait un peu le suspense. Bon, après, quand tu passes au scan, franchement, l'anime One Piece, tu te rends compte que c'était pas terrible du tout. Enfin, surtout post-ellipse, je crois que l'anime était pas terrible. Par contre, t'as des contre-exemples, genre par exemple.
la partie 2 de la saison 3 de SNK, punaise, mais Ah oui, ouais. Putain. Non mais c'est ça, mais de toute façon, je trouve ça dépend des séries, t'as les séries quand ça avance pas vite, c'est très bien de s'en enchaîner, mais quand il y en a qui te bourrent d'animation et tout, je trouve que c'est pas mal d'attendre. Bah, par exemple, Kimetsu no Yaiba, tu vois, ça j'ai pris en cours de route, genre on était déjà à l'épisode 20, je crois. Ah oui, pareil, oui. Donc du coup, j'en ai maté je les ai pas forcément enchaînés parce que j'avais les cours et tout, mais genre j'en regardais un ou deux par jour jusqu'à rattraper mon retard et c'était cool quoi, tu vois. Et vu qu'en plus c'est un rythme qui est quand même plus gentil et sans prendre des gros cliffhangers comme SNK, bah c'est vrai. Ça se fait plus tranquillement comme ça. Et Kimetsu, je me dis, ouais, bah, heureusement que je les ai pas attendus semaine après semaine parce que ça aurait été compliqué. J'ai fait ça et au début, putain, ça m'emmerde. Ah oui, non, oui, le début, oui, c'est. C'est vrai que le début c'est un peu chaud. Moi, pendant les deux premiers mois. Moi, je me suis mis qu'on n'arrêtait pas de parler d'épisode 19. J'ai fait bon. Ouais, bah, j'ai regardé les premiers épisodes. Et puis voilà. Ça regardait. Mais c'est vrai que, contrairement à SNK, si j'avais dû attendre genre une semaine après semaine, je pense qu'en fait, j'aurais laissé tomber et j'aurais attendu un ou deux mois histoire que tous les épisodes se sortent un peu en même temps. Quoi. C'est vrai. J'ai encore jamais regardé Kimetsu. Je sais pas si c'est vraiment aussi bon que tout le monde le dit. Je sais qu'en termes d'animation, ça l'est. Ah oui, oui, oui. Très très beau. Esthétiquement, oui, c'est très bien. Reste, ouais, ça j'ai cru voir sur Twitter et tout, il y a tout le monde qui spam genre vraiment des animations de qualité, etc. Mais pour le reste, genre c'est absolument rien. Et la plupart des gens disent que c'est vraiment genre surcoté parce que genre c'est surtout l'animation qui a fait pop le machin. Ouais, je pense aussi à regarder ce que l'histoire est sympa, mais c'est pas du développement de ouf quoi. Ah ouais, non, En vrai, c'est vraiment l'animation. Attends pas. Ça aurait eu une animation. Plutôt lambda, tu vois, ça aurait beaucoup plus. Ah oui, complètement. Clairement. Ah ouais. Ah, l'histoire. Il suffit, enfin, Vincent l'a dit et tu l'as vu toi-même, Jabir, l'épisode 19. Enfin, tu vois, c'est un épisode qui a vraiment explosé le truc, tu vois. Enfin, je veux dire, la série en elle-même a bien buzzé, mais c'est surtout un épisode qui a une animation de bâtard qui a fait exploser le succès du truc, tu vois. Je vois. En soi, et c'est grâce à son animation. C'est vrai. Ok. Peut-être qu'un jour je le verrai. Mais si. Non, non, tu ne regarderas pas, non. On le sait tous, on le sait tous que tu regarderas pas. Mais non, mais. Il va mettre Nezuko, il va dire oh, vous vous souvenez de Serenity, je le ressens la même chose. Serenity. Mais Serenity, je pense que c'est surtout parce que j'étais jeune, tu vois. Et que genre je l'aimais bien parce que faisait de la peine. C'est ta main, non. C'est. Genre après, ça. Mais moi je l'aime bien, Serenity. C'est pas non plus ma main. Bien sûr, j'aime bien Serenity. Non, bah elle je préfère Sakura. Non, quand même pas, non. Oula, attention à ce que. Je peux préférer Sakura en vrai parce que. Au début, ça va. C'est après, très bien. Bon, on va passer au sujet principal de cette soirée, de ce manga. On va parler des vilains dans les animes, dans les mangas. My Villain Academia. Oula. Oui, My Villain Academia, exactement. Zodiac qui te dit, regarde la série abrégée du Guillaume, tu verras plus Serenity, pareil. Ah, mais j'ai déjà vu la série. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il kiffe Serenity, c'est qu'il pense, qu'elle a la série abrégée. Oh non, elle est complètement conne dans la série. Ouais, bah. Oui, bah dans. Elle est complètement conne. Mais c'est... Dans Yu-Gi-Oh! Aussi, hein, je te rassure. Non, mais. Elle est dans Yu-Gi-Oh! Elle fait juste de la peine. Parce qu'elle est. aveugle. J'ai entendu ça se moque. Elle est aveugle. J'ai entendu ça kiffe les handicapés. Allez, du coup, le premier méchant. Le premier méchant de manga qui vous a beaucoup marqué, est-ce que vous en souvenez, genre le méchant où vous êtes dit waouh, waouh, c'est un putain de méchant lui. Est-ce que vous vous souvenez un peu à peu près de qui c'était? Si c'est le tout premier. Bon, dans ou dans les premiers. Celle. Ouais. Putain de merde. Si c'est vraiment dans les tout premiers, c'est celle pour moi. Putain, j'allais dire pareil, c'est terrible. Ouais, bah ouais, mais c'est. Mec, celle, c'était le truc incroyable quand on était petit. Jesus, il avait la prestance, il était badass, il était monstrueux. Pokéya dit Yubel, mais t'as, avant Yubel, t'as jamais eu de méchant, un vrai méchant qui t'a marqué, Pokéya? Il se peut qu'il ait maté GX très tôt. Moi, j'en ai eu quelques-uns, mais enfin Yubel, c'était. Ah oui, c'est vrai que c'est GX, je suis con. Hein. Et oui, c'est vrai. Oui. Mais avant ça. Je sais pas si ça peut vraiment compter comme, mais je sais que les premiers qui m'ont vraiment fait un effet vraiment de méchant et qui m'avaient mis une espèce de pression,
je crois que c'était les espèces de... Tu sais, les démons dans Jackie Chan, Moquel. Ah, oui. Je pense que c'est eux, ils font partie des premiers. Ah oui, c'est parce vrai que c'est... J'étais en train de penser à Dart. Et Dart, ah. J'ai pas spécialement souvenir qu'il m'ait vraiment, vraiment fait quelque chose. Enfin, je kiffais bien, mais pas vraiment fait peur ou quoi que ce soit. Dart, il a pas le prestige, en fait. Il est juste genre... En vrai, si, il a un flow, hein, quand même, j'aime bien. Mais en tant que boss final, tu vois, pas spécialement en tant que genre méchant. Entre gros, il fait pas vraiment peur, il met une petite pression, tu vois, ouais, sur quoi la ça. Fin, mais il fait pas vraiment peur au final. C'est ça, donc, mais c'est vraiment genre, c'est, en tant que boss final, il a sa place en tant que boss mais, final. Mais je pense que, ouais, ceux qui m'ont fait plutôt peur quand j'étais gosse, c'était même pas Shendu, tu vois, mais vraiment les démons, enfin les frères de Shendu, en l'occurrence. Je pense que eux m'ont fait pas mal... Il mettait pas mal de pression à l'époque, je crois. Et c'est peut-être parmi les premiers. Je vois. Flamby, Draco 7-7, vous ne savez pas ? Je pense que c'était pareil, c'était Cell. Putain, c'est ouf, mais bon, pourquoi il a... C'est un classique en tant que... Moi, j'ai pas regardé DB, donc aussi, c'est pour ça. C'est un classique. Genre Cell et Frieza, c'est les closes. Genre, vraiment, ils sont super proches entre... Je me suis mis à Dragon Ball à la télé, c'était l'arc 7. Ouais, putain, mais exactement pareil. Quand j'ai découvert Dragon Ball, c'était à la télé, et ils en étaient à l'arc de Cell, et du coup, ouais, c'est Cell qui m'a... Piccolo aussi. Moi, j'avais vraiment commencé au tout début, quoi. J'avais réussi à mater du début à la fin, du coup. Mais moi, vraiment, genre, celle il m'avait plus marqué. Frieza, c'était juste un monstre, en fait. Mais, bah ouais, c'est un empereur. Ouais, mec qui veut gouverner. Celle, il met tellement plus de pression, parce que vraiment, genre, de plus en plus, t'avances, de plus en plus, il est genre monstrueux. C'est vraiment stylé, quoi. C'était vraiment le truc quand j'étais petit. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Le mec, il est dur comme le chêne. Ah bah, tout de suite, hein. Tu me dis Cell. Cell parfait était stylé, c'est vrai. Ouais. Non, mais surtout quand tu voyais que. Cell tout court. Quand tu voyais. Non, mais surtout, ouais, tu voyais que genre ils essayaient tellement de choses à la fois et à chaque fois ça marchait pas. Et que t'as... en plus, t'avais Goku qui était pas présent parce qu'il était malade et tout. Enfin, tu te disais, attends, mais comment ça va se passer En fait, le truc qui me plaisait, c'était que genre à chaque fois Cell commençait à être genre vraiment, mais dans ses derniers retranchements parce que genre c'était. Au final, ils arrivaient toujours à prendre genre le dessus, tu vois, sur lui. Ouais. Et c'est dès qu'il a eu sa forme parfaite, toujours. Oh Jesus. Et tous rétamés comme des merdes. Je me souviens tellement parfaitement de l'épisode où il se transforme en forme parfaite, genre pendant un demi. Bon, après c'était le rythme de Dragon Ball, mais pendant un demi épisode, c'était juste la nature qui était en mode déchaîné et tout, tellement il mettait de puissance sur Terre. Enfin, c'était craqué, quoi. Ah oui. Et puis même le contexte. Kenpachi en soi, c'est fort aussi, il fait tellement flipper quand on le voit. Ouais, mais après Kenpachi, c'est pas pareil parce que c'est pas vraiment un méchant, quoi. C'est un adversaire d'Ichigo, mais c'est pas. En fait, tu sens que c'est pas les méchants de base, tu sais que c'est pas les méchants parce que de base, tu vois plutôt Byakuya comme le méchant. Kenpachi, quand tu le vois débarquer contre Ichigo, tu vois juste le mec qui veut s'éclater et tout défoncer. Il y a pas de. Pour moi, il y a pas vraiment de haine en fait en lui. C'est une espèce un peu de. Même pas de rival, tu vois, mais d'animosité un petit peu amicale, quoi. Ouais, Michael, Bah, ça va, hein. Enfin, il veut pas tuer Ichigo non plus, il me semble. Hein. Il veut quand même le pousser à bout. Il le ferait, tu vois, genre ça le gêne pas s'il meurt, c'est pas grave. Oui, non, mais avec n'importe qui, il est comme ça, Kenpachi. Oui, voilà. C'est juste un sauvage, quoi. C'est pas. Il veut s'amuser. Mais après, tu vois, quand t'es plus jeune, je veux bien croire que tu prennes Kenpachi comme un méchant. Parce que, par contre. En plus, c'est le mec qui débarque de nulle part, t'entends juste ses petites clochettes là et tout, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Non, mais par contre. Surtout son combat contre Ichigo, il mettait les pressions. Parce que, genre, il est génial, putain, je me souviens. Tome 13, un tome incroyable. Ouais, c'était vraiment stylé, hein. Mais par contre, ouais, moi je dirais vraiment par contre que dans le Aizen, c'est vraiment je parle vraiment anime manga, ça doit être vraiment l'un des premiers méchants aussi qui m'a beaucoup marqué, ouais. Parce que à cette époque, bah je matais vraiment que de gros shonen, quoi. One Piece, ça met du temps avant qu'il y ait un vrai méchant intéressant. Naruto un peu pareil, et du coup Bleach avait Aizen, et c'est vrai qu'Aizen il me mettait une putain de pression Ouais, genre moi Aizen en vrai il m'a jamais mis de pression, tu vois.
Aizen. Aizen, moi, je sais pas. Ça, tu vois, c'est surprenant. Parce que vraiment, genre, Aizen, c'est vraiment le fait qu'il est vrai, il a tellement d'avance sur tout ce qui se passe. Ah ouais, bah, je le trouvais intelligent, tu vois, mais il me mettait pas de pression, rien, tu vois. Si, il y a peut-être un moment, je me souviens plus très bien. Mais je crois que c'est peut-être au moment de son ulti justement, où là je me suis dit putain, il est balèze quand même, tu vois, il est quand même plutôt stylé, mais jamais je crois que jamais il m'a vraiment foutu une vraie pression, ou il m'a inquiété ou quoi, tu vois, je... Même pas à la fin ? Non, pas vraiment, ça par contre non. Ouais. Je sais que j'avais énormément kiffé grâce à Ichigo, mais Aizen j'avais trouvé limite ridicule, tu vois, donc... Ah oui, bah enfin, c'est le but, hein, mais genre... Oui. À la fin, tu vois, il met vraiment une pression d'enculé parce qu'il défonce littéralement tout le monde. Il y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Ah mais moi, je parle surtout au début, hein. Genre rival et tout, que enfin genre ça. Enfin moi, je me souviens qu'à l'époque, je m'y attendais absolument pas que c'était lui le grand Manitou de tout. Naïf. Moi, j'ai vu son corps plein de sang. J'ai mort, tu vois. Et puis tu vois qu'il y a, enfin tu vois qu'il y a vraiment littéralement mais toutes les divisions sur lui et tout, et que il nique tout le monde et qu'il en a rien à foutre et tout. Enfin c'est. Oh, j'adore. Mat en VO et sans les fillers. Comme ça, dans bah, je trouve que genre, la moitié des épisodes, c'est vraiment un tout, parce que vraiment, genre tout le long, son existence même met la pression, et vers la fin, tu vois vraiment le build-up où genre le machin, il est tellement intouchable que genre littéralement personne peut faire rien, quoi, genre c'est impossible. Ouais, parce que et rien que quand un des personnages essaie de lui piquer la pierre précieuse, si je puis dire, il se blesse rien qu'en le frôlant, quoi. Ouais, sans bah spoiler plus. Mais c'est ouais, et puis c'est vraiment au point. C'est comment, c'est au début je crois, quand il est dans une sorte de pas de sanctuaire mais de salle de jugement, et que quand ils arrivent, ils se rendent compte que tout le monde a été tué par Aizen ou un truc comme ça. C'est celui en fait où il a manipulé la salle des 46. Voilà, pour, c'est ça. Que Rukia soit condamné à mort, voilà, et donc utiliser le Sogyoku. C'est du coup s'emparer de Sogyoku, évidemment, parce que c'était l'objectif de base. Donc, il avait tout manigancé. Après, un truc que j'avais trouvé un peu idiot, c'est que par rapport à l'infraction qu'il y a. Genre, il y a pas un mec dans la division qui s'est dit, elle est un peu sévère quand même, peine de mort pour ça, d'habitude c'est pas trop ça, tu vois. Genre, même Byakuya qui dit, ouais, il faudrait quand même respecter les règles, je veux bien, gros, mais il y a un moment, ah oui. tu voles un bout de pain, t'es condamné à mort, faut te poser une question, quoi, tu vois. Non mais c'était littéralement ça, quoi. C'est juste, elle a aidé un humain dans le monde des vivants parce qu'elle a pas eu le choix. Dire, c'est débile. Enfin, il y a un moment, je pense qu'ils auraient. Après, bon, oui. À part ça, après, t'avais toute la stratégie derrière. Quand tu l'as compris, tu dis ah ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est un tout. C'est ça qui est stylé, c'est que c'est vraiment tout. C'était stylé en plus, son ombre plane sur ça, quoi. Mmh. En plus, le groupe des 40, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, le groupe des 46 ou le. Enfin, je crois qu'il y avait un truc à 46. Ouais, je sais plus, ouais. Ils s'en rendent compte, mais genre au dernier moment, ils ont tous été assassinés en fait, parce qu'il a laissé les corps carrément dessus. Oui. Donc, en plus, ils sont tous cachés, ils sont tous anonymés totalement. Genre, c'est seulement, je crois que c'est quand t'as le game de la 10ème division, là, comment ça s'appelle, Tochiro Tsugaya, quand il débarque, c'est seulement oui. qui réalise. Oui, non, mais moi ce qui me fascinait, c'est que le gars, il avait vraiment de l'avance sur tout le monde. Et il tuait, enfin, d'un coup d'épée avec ses illusions et tout, mais il en avait rien à foutre, quoi. Ah, mais son Shikai, oui. C'est incroyable comment il est puissant, mais moi j'ai pas compris, genre. C'est craqué. C'est abusé. C'est vrai. Et du coup, là, vraiment dans la globalité, quels seraient vos méchants préférés? Si on vous dit, genre, 2 ou 3 ou 4. Lucci dans One Piece. Oui. Ah oui, lui il m'a marqué, lui. Ah bah Lucci, oui. C'est un mec, quand je me rappelle de la scène où il avait massacré tous les marines là et tout là, il était sur la pile. Oui. Putain, ça marche. Pas lui tout seul. En plus on le voyait de dos avec sur le gros tatouage qu'il avait. Bon, ouais. Enfin le tatouage, non, les ah oui, les cicatrices, oui. Ça, qui faisait le symbole du gouvernement mondial. J'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, d'accord, alors lui c'est vraiment, il incarne le CP9 à fond. Ah oui, bah lui... C'est que le un gros adversaire. Enfin, c'est le pour beaucoup, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur combat de One Piece, quoi. Ah oui, clairement, c'est mon combat préféré, qui est plus récent. Mais lui, je l'ai kiffé marre à ce combat. Flamby, des méchants. Est-ce que tu as des méchants préférés, des petits chouchous? Ouais, j'en ai. Pour changer de registre, c'est pas aller sur de l'anime français. Yes. J'aurais dit Nox, Noximilien l'horloger.
qui est bah, du coup qui est dans Wakfu. Qui est, ah toi, d'accord. Ah d'accord. Toi tu passes carrément dans le registre de la France. Jim ouais. Possédé non. français. Jim Possédé meilleur méchant non. Ah, Xana, techniquement, Xana, il met une pression aussi, hein, déconnez pas. Ah oui, oui, ah non, mais ouais, mais. là je voulais. En fait, je voulais surtout parler, oui, manga, anime, hein, pas. Oui, pas oui, vraiment oui. Le reste. Hein. Parce que oui, c'est sûr que Xana, oui. Bah, ça me vas-y, vas-y. Mais ouais, non, Nox, ouais. Parce que. En fait, j'aime bien son. Entre guillemets, son développement et. La façon de pourquoi il fait ça. Après, moi je suis choqué, je m'attendais, je voulais que tu sortais un perso de Jojo quoi. Ouais, c'est certain que c'est classique. J'en ai des milliards de Jojo. Mais... j'ai des milliards de oui. Méchants préférés. Tu peux remplacer de Jojo. Mais c'est vrai parce que. On est tous un culte un peu de Jojo à part toi, donc c'est un peu le moment si de. Comment ça parler de Jojo c'est non, mais que des méchants, calme-toi, que des méchants. Mais le mec au fond. Moi j'ai tout vu de Jojo hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais aussi la vue. Ah, j'oublie. Non, ouais, un méchant de Jojo qui sont sortis en anime. Partout, les diables. Putain, mais... Ah oui, voilà. Il y a, bien sûr, il y a Kira, et puis il y a le classique Dio. Oui, pour parler que des parties qui sont sortis en anime. Moi, je connais leur gueule, mais c'est tout. Hein. Qui sont pour moi des deux grosses claques, les antagonistes oui. de l'histoire du shonen. C'est pour moi, c'est des très bons antagonistes. C'est des très bons antagonistes. C'est un shonen, et, c'était un shonen, et maintenant c'est un seinen. Ouais. Ouais, depuis 2005, c'est un seinen, et c'est dans l'Ultra Jump. Putain la vache, il a changé de registre, quoi. Du coup, Ouais, c'est à partir de la partie 7. Ah oui, d'accord. Avant, ils étaient en mode bon, c'est un peu plus gore que. Ouais. Parce que je me rends compte de plus en plus, t'avances en fait dans Jojo, de plus en plus ça devient gore en fait. Donc, Ouais, mais c'est pas gore pour être gore, tu vois, c'est comme Araki le dit, c'est quand il monte du sang, c'est pour être spectaculaire, tu vois, c'est genre pour embellir la chose un peu comme au cinéma, tu vois. Montrer une intensité. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que dans Jojo il y a de plus en plus de gens qui soignent entre guillemets, c'est pour être en raccord aussi avec les feux de moi c'est comme plus de sang, de toute façon il y a des gens qui sont là pour soigner. Moi c'est comme Hunter, genre ouais ok c'est pas ultra gore, mais moi j'ai jamais compris en quoi c'était vraiment un shonen, enfin au début je veux bien, mais vers la fin très rapidement un peu plus tendu. Ouais. C'est si sombre que ça, Franchement, en tout cas pour l'anime que j'ai vu, mais je pense que le manga, il est pas si loin que ça, en fait, vu que ça avance. Ouais, et puis dans l'écriture et tout, c'est quand même assez... Dans l'écriture, c'est vachement dark, surtout vers la fin, c'est vachement dark. Alors, pour Zodiac, apparemment, il adore Big Mom, le monstre fou d'Angélique, c'est Kira Yoshikage. Ouais, bah Kira c'est de Kira du trop fou dans GX. De quoi il parle? Je sais pas moi. Mais qu'est-ce que c'est? Comment il s'appelle là? Le monstre que tu dis, putain, il est complètement creepy là à chaque fois. Le Kuribo. Putain, mais. Non, mais je sais plus comment il s'appelle, merde! Le bouffon des ténèbres. Il commence avec un. Belovski, ouais. Le chevalier de Landstar. Le petit Belovski. Putain, non, mais je te jure, je me souviens plus, mais je vois duquel il parle, je pense. Trop fou dans GX. Mais celui que tu mains, Gigi. Charlie. Tu sais, celui là, à l'épisode 30. Vers le Supreme King, Gigi. C'est celui qui en met plein la gueule à Jaden dans la saison 3. Ouais, c'est, t'as un des Dark World là. Ah, Brown. Oui, voilà, c'est ça, je cherchais son putain de nom. Ah oui, il dit Brown. Comme il s'énerve. C'est un duel très important, ça. Comme il s'énerve, MDR. Sans spoiler les moquettes. Ouais, faites attention, les gars. C'est un duel qui... Non, faites attention. Non, mais moi, je dirais... Une importance capitale, mais pas Brown. Je dirais bien... Il y a une belle dans la même saison, donc quand même. Comment? Je dirais bien, ouais, moi, Aizen... Celle quand même de Flamingo
Et puis. Doofy. Et puis, bon, Pain quand même, hein. C'est quand même un peu. Oui, voilà, merci Moquette, putain. Pain, c'est quand même. C'est quand même chaud, quoi. C'est... Toi, je vais pas être le seul à le placer, Pain, quand même. Ah, bah non, non, bah non, non. Bah non, mais Pain après, moi, le truc, c'est qu'il me. Enfin, je l'ai découvert tard, entre. Non, pas vraiment, mais. C'est le roux, hein. Oui, oui. Ouais. Bah, c'est compliqué, il n'est pas que roux, hein, mais bon, on va pas peut-être pas entrer dans les détails si tu veux pas. Il a beaucoup de couleurs. Ah, Pain, c'est génial, hein, franchement. Pain, ouais. Pain. Parce que Pain, il incarne, il est plein de choses, c'est à la fois une personne, une organisation, un idéal. C'est tout, en fait. Ah, bah, oui. Pain. Madara, Omega, lol. C'est vrai que Madara, il est pas mal. Mais Pain. En vrai, Madara, oui. Ouais, mais Pain. Moi. Madara, c'est comme Yuli, c'est juste un classique que tu kiffes en méchant, quoi. Tu non, mais c'est. Franchement, c'est surtout parce que. Surtout après avoir rematé Naruto dans son ensemble, pratiquement. Bon, j'ai pas encore maté la troisième grande guerre, du coup. Aïe, quatrième. Mais du coup, genre, en rematant ça. Il est Kishimoto, c'est vraiment build up Madara. Souffrance. Mais oui, mais mec, c'est pour ça que j'ai autant kiffé Madara, moi. Ouais, mais c'est depuis le début, Madara, on te le place, on t'en parle comme un monstre et tout, et il lui a tellement fait honneur en le ramenant comme ça. C'est génial. Mais en vrai, franchement, c'est vraiment le seul que j'ai accepté qu'il soit ressuscité, parce que surtout après, justement, encore une fois, avoir rematé tout ça. Oui, Madara, c'est genre, bien. On te montre justement que genre ils avaient ressuscité. Les Kage à un moment donné, Orochimaru l'avait fait au début, quoi. Ouais. Donc, le fait que tu m'excuseras, mais ressusciter la vieille Shio, bon. Bon, oui, c'est vrai que ça c'était un peu genre on pouvait se c'est le symbolisme, les gars. Non, mais on s'en fout du symbolisme, juste ressuscite Madara, fait la destruction de la Terre. Madara, oui, ça va. Ouais. T'es la pire des salopes, ils auraient ressuscité Jiraiya et Minato, t'aurais ressuscité ta race, toi. Ils ont déjà ressuscité Minato. Bah oui. Et c'est vrai que j'ai sucé. Mais. Bon. Mais... j'ai sucé, il a dit. Il a dit j'ai sucé. Mais, parce que je voulais vraiment. Genre, ça m'énerve parce que, en même temps, c'est vraiment le truc facile. Mais en même temps, je voulais vraiment que Naruto voie son père, quoi. Du coup, c'était. Il l'avait déjà vu. Oui, mais dans son saut de chakra, pas forcément, genre littéralement. Il l'avait déjà vu deux fois si tu comptes le film. Bon, si tu commences à compter ce film, c'est fini. Lequel de film ? La prison perdue, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Oui. Ça suce trop là, quand même. Super Mario, yes, meilleur let's play. Ah, mais je crois que je l'ai vu, celui-là. J'ai juste vu les films Naruto. Terrible. Par contre, c'est vrai que... Enfin, Zodiac soulignait quand même un truc assez bien. Big Mom, quand même. Big Mom, c'est vraiment un degré... De méchant que. Du peu que j'en ai vu, j'ai déjà kiffé. Donc. Moi j'aime beaucoup. En fait, moi ce que j'adore, c'est que c'est vraiment de mon point de vue, un méchant unique, quoi. J'ai encore jamais rencontré vraiment d'antagoniste qui a cette gueule-là, qui a ce build-up-là et qui est autant flippant de façon bizarre, en fait. C'est. Ouais. Et Big Mom, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est dérangeant, c'est ça le truc. Ouais. C'est ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'est parce que, genre, enfin... Moi qui est trop flippant. Vraiment folle. Et c'est bien construit, mais c'est très bizarre. Et elle est plutôt kiffante, justement, parce que elle est écrite comme ça. Ce qui est flippant, c'est qu'on connaît pas encore tout sur elle. Oui, 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 oui. Moi j'ai pas vu grand chose. Non, mais... ouais. Bon. J'imagine que ça rend le perso un peu complexe, donc intéressant. Ouais, c'est plutôt cool. Enfin, ça donne un peu de fond en fait au perso. C'est vraiment genre. Quand tu vois son flashback, tu te dis oui. Ouais, très spécial quoi. C'est enfin ça change vraiment la vision du perso quoi. C'est vrai que dans One Piece, c'est un bon perso Big Mom. Ah Big Mom, voilà. Oui, mais du coup, moi, les méchants. Oui. Le comment ça s'appelle? Le père, voilà. Ah oui, père. Oui, oui. Le père de FMAB. C'est vrai. Parce que lui, lui il est juste God tier, le père. Ouais, ouais. Bah, c'est littéralement Dieu. Hein. C'est, Oui, bah oui, il arrive. Il fait subir à l'humanité son châtiment en ça, mode. C'est vrai que le père.
Ouais. C'est juste un monstre en fait. Et il met la pression tout le long. C'est vrai que c'est lui littéralement qui est le. Avec qui dans la fiole. C'est un truc de taré. Hein. Surtout quand tu vois genre tout le passé ouais. de son développement jusqu'à arriver là où on en est. Tu es là, waouh. Ouais. Ah, et puis après moi c'est surtout, enfin j'ai surtout vu via FMAB et en plus c'était stylé parce qu'il ouais. était le narrateur quoi. Genre c'est lui qui te oui. qui te résume, qui te fait la preview et tout, et quand tu découvres que c'est lui, tu te dis waouh putain c'est, oui. c'est un peu flippant quoi. C'est trop craqué. Pride, c'est vrai, putain, Pride. Oh là là, j'adorais Pride. Oh là là. Ouais, Pride, oui. Pride, oui, aussi. Carrément. Il y a, du coup, ouais, il y a le père. C'est vrai que j'aime beaucoup Big Mom, en vérité. Mais j'ai pas encore vu grand-chose d'elle. Du coup, c'est un peu compliqué de dire « Ah, je la kiffe vraiment et tout. » J'attends voir dans son coup. Parce que vraiment, genre... En tout cas, genre, putain, mais... pour les méchants... Pour les méchants de One Piece, pour moi, c'est surtout rétroactivement que genre les méchants me plaisent dans One Piece. Rétroactivement. Ouais, c'est-à-dire que genre quand tu vois le monde se développer et l'impact qu'ils avaient dans le monde et que genre ça a changé, etc. Tu vois, je vois bien plus l'impact qu'a le méchant que Luffy a affronté plus que oui. quand il l'affronte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, oui, ça me fait bien plus le kiffer que quand je le vois, parce que genre, oui, bon, oui. Lucci avait un putain de charisme, mais ça a été après quand je voyais que genre il avait enfin le développement qu'il a eu tout au long et tout, je me dis ouais, c'est plutôt bah ça c'est un peu, enfin c'est un peu le les meilleurs méchants dans One Piece, enfin ceux qui fonctionnent bien, c'est oui. justement ceux qui te sont teasés longtemps à l'avance ou qui te sont ouais. où tu sais des choses sur eux mais dans l'ampleur du monde. Plutôt que quand Luffy tombe devant, quoi. C'est, ah c'est oui, surtout carrément, c'est carrément. Eux qui sont cool. Carrément. Mais c'est pour ça que, franchement, pour la plupart des méchants de OP, c'est surtout Réautra. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais. Après, ouais, il y a celle. Comme qui sait qu'il y a d'autres, ouais, c'est vrai ça. Ouais. Déjà, le truc, c'est qu'il y a tellement de méchants que j'ai vu que, franchement, ceux qui m'ont marqué. Sont plutôt rares en vérité. J'ai bien aimé le. Comment il s'appelle le roi insecte là, dans des Chimera Hunts là. Ah J'avais bien aimé lui. La fourmis. Ouais, la fourmis. Yes. Bon. Bah, c'est une fourmis, ouais, hein. C'est et là-bas. Fourmis. Ça putain de suffit. Bah, c'est vrai. Ah. Balancez-nous des noms de méchants que vous avez kiffé dans mais le chat. Ça, Ray Dark dans Inosa Manuel. Mais l'UM était un Ray Dark. Quoi? Ray Dark dans Inosa Manuel. Je connais pas Ray Inosa. Inazuma, c'est. Est-ce que c'est vraiment. Encore dans Go, son retour est stylé, mais. Le mec qui tape dans un ballon, est-ce que ça peut être des méchants? Non, il tape même pas dans un ballon, il est juste méchant pour être méchant. Ah bah super! Manipulateur à la con. Parce que autrement, on va dans les tomes. Qui manipule des enfants, on pourrait l'appeler un certain New Quincy. Oh la vache, et oh oui! Putain, mais moi j'ai toujours pas. Moi j'ai toujours pas dit mes méchants favoris. Bah vas-y, bah je demande ça depuis tout à l'heure. Mais t'as pas parlé de Pain? Ah non, c'est moi. Je pense que j'ai juste fermé ma gueule là. Bon. Moi je demande ça depuis tout à l'heure. Oui. Eh bien, on a parlé de Pain déjà. Mais il faut bien Pain. Évidemment parler de Yubel. Ah, je connais pas, putain. Oui. Bah ouais, mais Moquette, tu vois, tu ah, j'y suis plus que deux épisodes. J'y par suis semaine, dans 3 ans, t'inquiète. Déjà, là. D'ailleurs, notre joke. Dans 3 ans. Notre joke, ça fait une semaine et demie que j'ai repris. Enfin, que je recommence à regarder GX. Je suis déjà à l'épisode 30. C'est-à-dire, je suis déjà plus avancé que Moquette. Oh la vache. Okay. Non, mais moi, je suis en escargot, moi, c'est pas dur aussi. Ça, par contre, Vincent, ça me déçoit parce que tu m'as pas dit ça alors qu'on aurait pu mater ensemble. Et ça, bah ça écoute, non, on n'a pas pu mater ensemble ça, parce ça, que je le regarde durant, mes pauses au boulot, donc je pouvais pas le mater avec toi. Le soir. Régis dans Pokémon, alors, gros méchant. Ça dégoûte quand même parce que tu pourrais au moins m'en parler. Mais juste infernal. Drama en live, hein, ça y est. Régis dans Pokémon, Régis est très stylé. Paul dans Pokémon. Mais après, faut pas confondre rivaux et méchants. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas. C'est pas... Sinon, je vous aurais sorti Katakuri depuis le 1, mais aïe! Chasseuse J. Putain, mais. Je me suis fait mal au doigt.
Ah bah... C'est vrai, chasseuse G. C'est vrai que chasseuse G, putain, quand j'étais petit, mais oh là là, oh là là là, c'est pas possible, hein. Chasseuse G, elle est vraiment tarée, hein. Elle fait trop peur. Tout va bien, elle est morte. C'est vrai en plus. Mais d'accord. Non, parce que on dit Pain, on dit forcément Yubel. On peut placer un petit Yuli en scred quand même. Parce qu'il est quand même plutôt sympathique. Je pas. Mais mon troisième, je pense que ça serait Sato dans Aljin, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Sato, oui. Alors, si on compte pas Deidara, parce que bon, Deidara, c'est un méchant, mais c'est pas le méchant. C'est vrai que c'est un méchant. Méchant que j'ai beaucoup aimé. C'est réellement un méchant de manière. J'ai même pas aimé son côté méchant, j'ai aimé le perso en plus. Mais par contre, en tant que méchant, j'ai adoré Sato dans la Jin parce que c'est le genre de méchant que je trouve juste génial parce qu'il est taré, il va au bout de ses trucs et il sent pas les couilles. Je sais pas, ça m'a juste fait trop plaisir de voir un méchant comme ça, très simple et très, très efficace. C'est surtout qu'il était vachement intelligent et utilisait vraiment. Oui, en plus. C'est pas un méchant. C'est pas un méchant à la con, genre juste lambda et tout, méchant pour être méchant ou quoi. C'est, quand je dis il est simple, c'est qu'il se prend pas la tête, tu vois. C'est le mec invincible, il en profite, il se fait exploser s'il faut pour exploser un immeuble, tu vois. Donc y a pas d'enjeu. Mais j'ai adoré parce qu'il est. Je sais pas, il m'a fait trop kiffer et rarement. Il t'a fait jouir, quoi, on peut le dire. Il a fait juter. Non, c'est vrai, en plus, je me souviens avoir envoyé quelques screens à Jabir à l'époque. Je veux pas savoir ça, moi. Que j'ai encore des dossiers, c'est un peu terrible. Quoi ? Ah non, mais alors. La main dans le slip. Ça va trop. Le compte Millénaire. C'est vrai que le compte Millénaire dans des Greyman, hein. Putain, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais oh là là. J'adore le compte Millénaire. Du coup, voilà, si jamais. Allez voir Ajin, vous verrez Sato. D'accord. Et, vous m'en direz des nouveaux. C'est sorti en anime, Ajin ? Oui, depuis longtemps. Il y a deux saisons. La dernière était en 2017 ou 16, je sais plus. Est-ce que d'autres méchants vous reviennent que vous avez kiffé beaucoup, ceux qui n'ont pas trop parlé Monokuma, c'est vrai. Ayosha. C'est vrai que Monokuma, pression. Techniquement, c'est Junko. Mais spoil pas, toi, comme. Mais spoil pas. C'est vrai que Junko. Junko a la main dans le slip. Hein. Tu sais pas. Mais Junko. À moitié. Junko, elle peut me mordre les tétons. Torkel dans Vinland Saga, lui aussi, il me fait grave kiffer. Ah, c'est Barbe Noire, non ? Oui. Oula. Techniquement, Koro Sensei, c'est un méchant. Oui. Non. C'est le héros, mais c'est le méchant de l'histoire. Bah non. C'est juste un. Qu'est-ce que tu peux nous dire là ? C'est compliqué. Pas vraiment. Je l'entendrai pas comme un méchant. Tu vois. Techniquement, je peux pas encore dire overall parce que je le connais pas assez. Oui, c'est vrai que. En vrai, il est très cool. Il est très cool, mais c'est vrai que My Hero, c'est pas le manga où je vais me dire, je vais retenir beaucoup les. En tout cas, pour l'instant, je vais pas retenir les méchants de fou. My Hero, c'est pas. Pour l'instant, dans My Hero, il y a que. C'est All For One. Non, Light Yagami, c'est un anti-héros. Ce n'est pas un méchant. C'est déjà c'est dans Death Note. Tu parles de méchant dans Death Note, c'est que t'as pas compris Death Note déjà. C'est vrai. T'as pas mis Gen, Moquette, pour les tiens. Gen. C'est Gen qui s'appelle, non, le mec dans Digimon 2 là. C'est pas toi qui le kiffe. Non. Non. De quoi il me parle ? Tu parles de Et le mec qui a Warmon là. Ah, l'empereur. Non, oui, pas du tout. Gen. Si, oui, je sais plus. C'est pas toi qui le kiffe, il me semble non. Que tu le kiffes. Non, mais je le kiffe, mais pas plus que ça, quoi. C'est un bon perso, mais. Ouais, d'accord. Enfin, okay. Et puis c'est pas. Enfin, c'est. Oui, c'est un méchant, mais pendant un arc. Techniquement, c'est un méchant. Oui. C'est vrai que. Techniquement. J'aimerais dire Twice. Twice est génial, je trouve. Twice. Ah. Dans My Hero, je crois. Oui, je crois qu'il parle de My Hero. Il y a un Twice dans My Hero. Oui. Ah, j'imagine.
Ah, ouais, j'ai un diplôme. Ah, parce que sinon, d'un coup, tu vois un manga où t'as ta meuf qui débarque. Ah, si, 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 le mec dans. Le mec dans Inuyashiki, comment il s'appelle ce con? Quoi? C'est vous le dit? Shishigami. Shishigami dans Inuyashiki. Lui, c'est mon main. C'est le mec qui te dit qu'est-ce que tu mets dans One Piece et si tu lui réponds pas ce qu'il veut, il te bute. Ça, ah, oui, lui. Ça, oui, ça... Ah, oui, ça va, ça n'a aucun lui, sens, c'est ça. Le Shishigami. Putain. Ah, lui, il m'a fait trop kiffer. Et à chaque fois j'avais trop. Est-ce que elle c'est un méchant? Non. Pas vraiment. Vu qu'il affronte un anti-héros, je peux pas le considérer comme méchant. Bah non, oui. Non, surtout c'est... qu'il est enfin il est cadré comme héros. De l'anti-héros, mais c'est pas vraiment un méchant. C'est beaucoup plus compliqué quand tu essaies. Moi je le vois plus en tant que héros, elle. Plus que Light en vérité. Alors qu'en vrai c'est pas. Non, ouais, c'est pas un méchant. Light. Ah non mais parce que en fait je me dis du coup c'est qui le c'est qui enfin, parce que en fait techniquement du coup tu peux dire que dans Death Note il y a pas de méchant en fait. Bah il n'y en a pas. Ouais non, il y a pas. Oui, de voilà. Le manga justement c'est juste de dire t'as deux visions. Il y a pas non plus une rivalité en fait. C'est une rivalité en fait. Enfin, oui. En quelque sorte. C'est plus deux visions de la justice en fait qui s'affrontent. Ouais voilà. Salut Alenou. C'est vrai. C'est le héros qui combat l'anti-héros, oui. C'est vraiment, c'est pas un héros vilain, c'est vraiment protagoniste-antagoniste. Selon où tu te positionnes dans la vision de la justice, t'as un méchant, et autrement t'as un autre. Oh, y'a Sasuke aussi quand même, gros méchant. Sasuke, mais qu'est-ce que... vraiment... Sasuke, là, avec, gros méchant. Il me vénère parce que je le kiffais tellement Sasuke, surtout après avoir revu. Là, ah ouais, moi aussi je le kiffais, hein, mais bon. Eh, Gigi, tu te rappelles à l'appareil manga, la pancarte là, Sasuke is gay? Quoi? Oh mais... putain, merde. T'en veux pas? Oh putain, c'était bah, il fait ce qu'il veut. En même temps, en attendant, il a une fille, donc non, il est pas gay. Seul Sasuke peut me juger. Ah, tu sais, faut pas confondre orientation sexuelle et. Oui. Et, ouais, mais et c'est comportement. Hein. Ou comment il marche. Enfin, c'est compliqué quand même. C'est vrai. C'est compliqué, tu sais, si t'es amoureux de Naruto après. Après, bon, je dis pas, il peut être bi, tu vois, mais. Voilà. J'allais dire, t'as pas mis le mec de. De Shokugeki là, que tu kiffes ta race. Allô? Gros blanc. Wow. Il est mort? Il a oublié. Je crois qu'il est mort. Moi je pense qu'il est mort. Bah, est mort. Putain, mais. Oh nom de Dieu. Allô oui. Up, une bonne chose de faite. Putain, mais. Bah, on va tout. Il est mort. Est-ce qu'il y a des méchants dans Papa Papa juste? Dans la famille des Barbapapa. C'est... Bon, alors moi par contre. Les autres, par contre, moi j'annonce. Par rapport à. Alors c'est compliqué. C'est, en fait, c'est compliqué parce que je pense à One Piece. Et genre. Barbe Noire et Kaido. Je peux pas encore les mettre dans les méchants que je surkiffe parce que on sait pas encore assez de choses. Mais je suis sûr qu'une fois qu'on aura toutes les pièces, je vais les surkiffer parce que déjà là je les suce alors qu'on sait pas tout quoi. Donc c'est vrai, honnêtement j'ai pensé à la même chose parce que quand on a parlé de Big Mom, je me suis dit il faut aussi parler de Kaido, mais Kaido on en connaît pas. Mais ouais, mais Kaido en vrai oui c'est ça, on sait pas encore grand chose. Hein. Alors qu'il est trop bien. Alors le peu que j'ai vu pour l'instant de l'animé, hein, oui. C'est vraiment. Genre, ça a l'air d'être juste un espèce de vieux crouton qui en a juste le bord en fait de toutes ces merdes et qui veut juste genre faire les choses qu'il veut et juste mourir derrière. Bah il fait c'est tout ce qu'il veut. J'ai l'impression que c'est juste ça globalement. C'est juste le genre. En vrai, dans pas si longtemps, tu en sauras quasiment autant que nous. Mais wait and see. Ok. Wait and see. Genre dans deux semaines, bah tu sais. Détective quoi, en fait. Conan Vermousse, je connais pas. Quoi? Les hommes en noir dans Détective Conan, vraie menace. Ah, je connais pas. Ah oui, le grand-père de Yuki, le véritable. Et Red Narg auto. C'est vraiment genre en arrière-plan la blague co-organisation qu'elle met la pression dans. Et bah ça va aussi. Après, je l'ai pas encore vu clairement, du coup, je peux pas vraiment dire, mais. Oui. En tant que pression, elle met. Alors, du coup, parce que le temps passe, je vais passer un petit peu à la dernière question. Où, en fait, pour vous, ce serait quoi c'est quoi la recette, en fait, pour faire un bon méchant dans un anime manga, quoi Un bon méchant
Je dirais que ça dépend du comment ça s'appelle, de comment le manga a été créé en fait. Oui. Parce que ouais. Si c'est dans Dragon Ball, un bon méchant c'est Frieza, tu vois. Parce que genre il est clairement juste, c'est juste un méchant que Goku il a juste envie d'affronter. Franchement Goku n'a pas vraiment besoin d'avoir un méchant en face de lui. Tant qu'il a un certain charisme, qu'il est plus puissant que lui globalement jusqu'à ce qu'il puisse le rattraper, ça va, tu vois, c'est un bon méchant. Oui. La plupart du temps ça marche comme ça. Dans One Piece, par contre, tu veux un peu plus de fond, tu veux un peu plus de forme, tu veux quelque chose qui tape dans l'univers derrière. Ça dépend vraiment de ce que t'écris. Oui, c'est vrai. Dans ton histoire et comment tu l'implémentes dedans. Du coup, c'est un peu compliqué c'est à vrai. Dire quel bon méchant. Mais globalement. Oui. Déjà, faut qu'il ait du charisme. Frieza, il est pas forcément intéressant, mais je l'aime bien en tant que méchant parce qu'il est méchant, quoi. Enfin. Après, je pense qu'aussi il y a différents types de. Enfin, genre, il y a le méchant, juste méchant. En tout cas, c'est pour ça que je dis ça dépend. Tu choisis tous les méchants, tu. C'est ça. C'est que genre, ça dépend vraiment de ton histoire, comment tu veux la build-up pour que le méchant suive derrière. Tu vois, c'est vraiment genre. C'est le corps qui fait derrière que le perso. Je pense que. On commande des méchants, c'est un peu leur charisme aussi, tu vois, genre. Ah oui. Bah, tu vois, c'est vrai que genre, enfin en tout cas dans un manga, c'est vrai que la mise en scène joue énormément sur. Ouais, c'est ça. Oui, ça va. La Parce mise que en scène joue énormément si tu construis une grosse mise en scène et un gros charisme, c'est vrai que tu peux limite te passer de backstory, quoi. Genre par exemple, je prends le cas d'Aizen. Hein. Au départ, tu sais absolument rien du mec et tout, mais de par la mise en scène et de ce qu'il fait et tout et de son charisme, gros. Ouais. Ou comme celle, oui, mais après c'est Dragon Ball, donc c'est pas. Oui, voilà. Ouais, clairement, c'est vraiment développé à son méchant et pas forcément l'écriture qui fait le méchant. En tout cas, dans un manga, je trouve que c'est ça. Après, dans une. Ah, ça dépend. Ouais, ça dépend parce que. Il y en a, ouais, moi c'est vraiment l'écriture qui après, joue. Après, ouais, bon, peut-être que ça serait plus dans l'idée d'un shonen, j'imagine. Que genre, tu veux vraiment que la mise en scène soit là. Parce que moi, en général, moi, si tu mets juste une mise en scène avec un méchant qui est badass, tu peux me rajouter de l'arrière-plan, mais si la mise en scène est super stylée, moi je m'en fous. Après, tu m'as acheté, c'est fini. Genre. Tu m'as acheté. Bah, genre, je veux dire, la scène que j'ai vue de Kaido, tu vois, ça y est. Ah oui, bon, ouais, il est vendu, Kaido, tu vois, genre, ok, vas-y, j'achète tout, vas-y. Prenez-moi. Bah oui, non, mais clairement, tu vois, c'est vraiment genre. C'était clair, net et précis. Je sais rien de Kaido, mais putain, quand je l'ai vu là, j'étais là, ok, bon bah. Ouais. Là. Du coup, ouais, c'est vrai. C'est, en tout cas, pour moi, c'est surtout la mise en scène du méchant. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions ouais, d'autres... C'est plus la forme en fait que le fond. Ouais, j'imagine. Mais ça fait, c'est aussi genre comment l'histoire est écrite, je trouve aussi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est aussi pour le public. Si tu fais un truc pour jeunes. Oui, bah, c'est pour c'est ça, les jeunes. C'est ouais. L'idée de comment l'histoire est écrite. Parce qu'en général, si tu écris une histoire, c'est que tu cibles un public. Moi, je dirais, ça dépend aussi de comment il va être confronté au héros en fait. Enfin, genre, comment il va. Poser des barrières au héros parce que y a aussi ça qui joue quoi. Si c'est juste tu vois un méchant qui se fait niquer facilement par le héros, tu dis bon c'est pas intéressant. Mais si c'est un méchant qui fait changer un peu de la vision du héros, ça c'est trop stylé quoi. Moi je repense à Pain, c'est juste incroyable quoi. Je vois, si le méchant a un impact sur le héros d'une manière psychologique autant que genre au niveau de la puissance différente etc. Du coup oui. Après ça dépend tu vois genre. Je pensais bon c'est plutôt très rapide mais genre sur One Punch Man Boros. Ouais. Trop stylé alors que genre il s'est fait juste défoncer par Saitama comme tous les autres tu vois. Mais genre il y a aucun build up Saitama il a rien changé il est toujours aussi emmerdé mais. Le méchant était super stylé parce que, encore une fois, c'était la mise en scène, quoi. Mais dans One Punch Man, t'es obligé de faire de la mise en scène pour le méchant parce que tu sais que de toute façon, il va se faire. Ouais. Donc t'es obligé de le rendre le plus classe possible, enfin une espèce de combat épique. Mais ouais, j'ai surtout dit ça en tant que contre-argument du fait que genre faut que le méchant ait une espèce de
ouais, de d'impact sur le héros, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, mais au final on revient sur le truc du c'est vraiment la mise en scène qui joue vraiment sur le méchant plus qu'autre chose. Mais je peux aussi dire que c'est vrai que si le méchant a un impact, c'est comme le truc de rétroactivité sur les personnages de One Piece, tu vois. Genre, je les préfère bien mieux quand je vois que l'impact qu'a le méchant est aussi énorme sur les persos que sur le monde, tu vois. Non, putain, Zodiac parle de Nappa. C'était bien. Je veux dire, j'ai l'impression d'être le seul à parler, genre. Non, mais après, t'as les méchants, moi j'attendais qu'on fasse les choses. Non, mais vas-y. Faut bien qu'on échange. Moi, je reprendrai un peu ce qu'a dit Moquette dans. Enfin, et un petit peu aussi ce que t'as dit Jabir dans le sens où, du côté un peu de l'histoire. Mais pour moi, tu vois, enfin pour moi, pour que ce soit un bon antagoniste, faut qu'il ait un lien avec le héros. C'est-à-dire que, ou de par son background, ou de sa philosophie qu'il va défendre, ou autre chose, tu vois. Mais un truc qui fait que ça rend leur opposition vraiment intéressante et que c'est pas juste un méchant qui affronte un gentil, tu vois. Mais vraiment. Genre, ils sont pas juste opposés, mais ils représentent une opposition, tu vois. Genre, bah, comme Naruto et Pain, c'est des idéaux qui s'affrontent, tu vois. Enfin, c'est une espèce de philosophie un peu comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et pour moi, c'est. Pour moi, en fait, pour qu'il y ait un bon antagoniste, il faut vraiment qu'il soit lié avec le héros, comment dire, en parallèle, en fait, un petit peu comme ça, tu vois. Mm. Ouais. Pour moi, c'est primordial. Enfin, je sais que dans les peu de méchants que j'ai vraiment kiffé, à chaque fois ils avaient ce truc là, tu vois. Genre, ouais, même le mec dans Inuyashiki, tu vois, c'est un petit truc un petit peu à la con, mais les deux c'est des robots, sauf que les deux ont une vision différente de comment les robots doivent s'intégrer à la société, et du coup il y en a un qui décide de tuer tout le monde parce que voilà, il prend peur, il sait pas trop ce qu'il est et tout, et l'autre au contraire il bah voilà, tu vois, et c'est un truc tout con, tu vois. Mais voilà, il y a aussi le truc avec Jalen et Yubel où je peux pas trop en dire, mais il y a une véritable opposition de mentalité et de entre guillemets d'humeur, tu vois. Donc ce qui fait que voilà. Et pareil, enfin l'exemple le plus flagrant en l'occurrence c'est Naruto Pain, tu vois. Mais pour moi, il faut vraiment que le méchant soit lié au héros. Et que ce soit pas juste, tu vois, un méchant qui affronte un gentil, tu vois. Il faut pas que ce soit une page noire, puis une page blanche, ce que tu veux dire. Oui, voilà. C'est pour ça, pour moi, il faut qu'il y ait vraiment un lien entre les deux et qu'il y ait un. comment dire, tu vois. Enfin, le crado poche. Je sais pas, c'est un truc tout con, mais c'est un vrai lien, tu vois. C'est-à-dire un lien imagé, un lien par l'histoire, comme tu disais, Jabir. Et pas par exemple, je sais pas, je pense à ça au pif, et encore, si ça se trouve, je sais pas tout, peut-être, Moquette, mais je pense au combat de Shinra contre Shaol en Fire Force, où c'est des frères qui s'affrontent. Je parle pas vraiment d'un lien comme ça, tu vois. Oui. D'un lien dans l'écriture. Pour moi, c'est ça qu'il faut pour que ce soit. C'est vraiment en fait, genre. Ça dépend, ça peut être foiré aussi, mais généralement, ça va beaucoup plus me faire kiffer quand il y a un truc comme ça. Ouais, genre purement parce que représente quelque chose, en fait. Le méchant et le personnage principal est vraiment une espèce d'opposition, que ce soit. Enfin, je pense que surtout ce soit idéologique, c'est ça. C'est vraiment genre. Idéologiquement, pas forcément genre, idéologique, même psychologiquement, dans l'idée. Genre que de base ils aient un truc en commun, tu vois. Qui fait que ça les amène à s'opposer, en fait. Et ensuite, peut-être, tu vois. Ensuite, voilà, mais c'est pas nécessaire. Mais pour moi, faut qu'ils aient un truc en commun qui crée du coup ce lien. D'accord, ok. Il y a aussi les autres catégories de méchants qui sont les méchants, mais qui sont pas entre guillemets, enfin, pas méchants, tu vois, mais les méchants qui font des choses qui sont contre les héros, mais qui les font par pour leurs objectifs, tu vois. Genre ils ont quelque chose en tête. Le héros, quoi, juste pour eux. Et ça pas forcément pour eux, mais peut-être genre pour eux, bah, il faut le faire et ça va faire sur le reste de. Ah, je pense à un manga quand tu me parles de ça. Et moi j'ai pas compris genre, de quoi il parle. Sont sur leur route. Et juste en fait le méchant il doit faire ses objectifs pour arriver à son but, mais il tu penses à ta vie. Ah oui, d'accord. Ah oh, ouais. Ils sont pas là pour. Oui. Coucou Rainer. Genre, un peu les méchants dans l'idéologie, tu vois.
c'est un peu genre techniquement comme Pain, où genre ils pensent vraiment que genre faire donner la douleur au monde va leur faire comprendre qu'il faut arrêter de donner de la douleur. Du coup, J'ai pas vu Pain, mais peut-être. Ouais, là, ouais mais ils sont quand même liés. Dans l'idée, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est genre, bah, ils ont leur vision de. C'est penser, c'est. Donc toi, t'aimes bien genre vraiment les méchants qui sont un peu entre guillemets pragmatiques en disant que genre ouais, faut faire un sacrifice pour. Pas pour forcément donner... pragmatique, mais qui ont leur vision des choses et en fait qui est pas la norme de tout le monde. Pour eux, soit ils doivent le faire parce qu'ils ont un objectif et que. Mais l'objectif, ça nécessite des sacrifices. Ouais. Soit parce moi, que ça dépend. Moi, je suis mitigé avec ce que je représente parce que souvent, c'est des pétards mouillés, je trouve. Donc, ouais, il faut faire ouais, ça avec. Toi, là, je repense à Nox où, au final, c'est pas vraiment un méchant dans son but. Mais c'est un méchant parce qu'au travers des yeux du héros, bah, ce qu'il fait, c'est pas, le mal. Oui, d'accord, ok. Et du coup, ouais, c'est aussi pour ça. Akira Yoshikage, dans un sens aussi. Ah, mais Kira, c'est plus compliqué parce qu'il est vachement malsain. C'est plus complexe, Kira. Mais parce que Kira, oui, c'est un psychopathe. Il est vachement malsain, mais tout ce qu'il veut, c'est la paix pour lui, quoi, globalement. Après, les méchants de Jojo. Ouais, les méchants. C'est plus complexe qu'on se le pense. Moi, je sais juste qu'ils ont des pouvoirs craqués, mais sinon, je connais pas. Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit dans le chat, Moquette, pour les méchants préférés, pourquoi, comment on les écrit, tout ça? Ah, pour l'instant, ça débat avec nous. je vois pas beaucoup de... Ils ont parlé du crado pot de pierre à un moment, c'est tout ce que je peux... Bon, je sais. Ouais, c'est... Ouais, c'est pas un antagoniste. quelque part... Bah, il met une pression, mais c'est pas... Pokéa qui a répondu quand même, yep, quelle enflure ce crado pot, donc... C'est vrai. Putain, que... mais... Bah, c'est un peu... Peu, je sais pas. Kira, c'est l'ambiance qu'il crée qui le rend flippant. Kira, vous parlez de qui, de Light ou de... Ah. Non, de Jojo. Ok, toi qui me balance au calme. Bah oui, bah, je répète ce que vous me dites, moi. J'y peux rien. Hein. J'y peux pas grande chose. Du coup, ouais, j'ai du mal à me souvenir des méchants que j'ai pu voir dans les animes. Ah bah super. Bio, le mec n'a aucune mémoire. Je veux dire, déjà, en tout cas pour ce en cours, genre, pour Nanatsu, j'aime beaucoup Zeldris dans son... Ah. Nanatsu, c'est... Qui fait pour l'instant? Le truc, c'est que Zeldris, du peu qu'on a vu, pour moi, il est aux F tier, hein. Moi, j'aime bien parce que il a un certain charisme, c'est surtout ça qui me plaît. Moi, j'attends. On te dit directement que, enfin, il a quand même un pouvoir qui est vachement craqué, mais le truc c'est que moi ce que j'attends surtout c'est de voir leur fameux lien avec Meliodas, parce que depuis le début ils disent qu'ils sont frères et tout. Moi j'attends de voir leur rencontre. Mais t'es à jour ou pas? Bah sur l'animé oui. Ah, j'ai deux épisodes de retard. Tu te fais du mal quand même parce que l'anime c'est une boucherie. C'est une boucherie. Le dernier épisode aujourd'hui qui est sorti, c'est une torture. Oh la vache. Oh merde. Oh, c'est une torture. L'écriture, je sais pas du tout si moi je dois en être au 3 ou 4. Hein, emmerdant. Non, mais rien que le truc sur Gozer, que tu te souviens, j'allais dire, Moquette nous en avait parlé et tout. Rien que le truc sur Gozer, moi j'ai trouvé ça vraiment naze. Oh là là. C'était mis en scène, mais je trouvais ça très très bizarre. Moi dans l'histoire, j'ai trouvé ça sympa. Mais non, j'ai bien aimé l'idée, mais la façon dont c'était fait, aïe. Fade en fait. Mais l'animé, c'est vraiment tendu. J'aime beaucoup l'histoire parce que l'histoire elle a quand même un très beau symbolisme. Bah, comment c'est mis en scène, c'est dégueulasse. Quelle horreur! Vous me donnez pas envie de reprendre. Mais le problème en plus de l'animé, c'est qu'ils ont plein de bouts de l'histoire. Du coup, des fois, tu te retrouves en mode ok. Moi, ça, je sais pas, Baptiste. Après, ouais, je connais pas vu que j'ai pas vu le manga. C'est utilisé pour torturer les prisonniers d'Alcatraz. C'est vrai. Pour l'instant, qui fait bien, parce qu'après, le manga, bon, c'est compliqué. Oh, c'est terrible. C'est terrible, les gars. J'ai pensé tout à l'heure à Zeldris et je me suis dit, bah non. Moi, j'aime bien son design, mais comment il est mis en scène et tout, j'aime bien quand même. Mais le truc, c'est que vraiment, genre. J'aime bien parce que Pikachu qui parle avec une voix rauque, ça me prend toute chose. Mais... Bon, ça suffit. Qu'est-ce que. Ouais, c'est quand même sexy. Fin...
Ça suffit. Calmez-vous. Non, mais c'est pas. C'est lui qu'il faut qu'il se calme, c'est pas moi. Hein. Moi, je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur ces bonnes définitions. Sauf s'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose sur un méchant ou quoi. Il est déjà 23h. Oui. Clément est toujours sur son ordinateur. Seulement, cette fois, le programme a changé. Bon. Bah, c'est Clément. Hein. Seul Sasuke peut le juger. C'était donc lié. C'est ça. Mais non, bah écoutez, c'était bien sympa. On va donc. Alors voilà, le chat a déjà envie de dormir. Ça a l'air de soulager tout le monde. Dormez bien, le chat. Reposez-vous bien. On se donne rendez-vous du coup en 2020 pour la suite hein, de Manga Manga Nomi. On va déjà passer en 2020. C'est terrible quoi. L'année. On espère une année explosive hein, pour plein de choses. Et puis voilà. Moi, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Des bisous. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête. C'est vrai. Bonne fête à vous. Très bonne fête. Noël. Très bonne fête de fin d'année. Soyez gâtés. Soyez bien gâtés. Passez un bon Noël. Passez-vous bien. Voilà. Grossissez pas trop. Buvez pas trop. C'est vrai. Bon, allez, des bisous les gens, bonne soirée et à l'année prochaine, MDR. Allez, des bisous. Allez, bonne fête, bonne fête. Et là, il met une musique de Noël.